Israël. Israël, Augustin Donadieu, on va voir le sujet avec ce qui s'est passé cette nuit. On reviendra évidemment sur le discours de politique générale tout à l'heure du Michel Barnier, mais effectivement, le drame, c'est Israël, Augustin Donadieu. Voyons ce qui s'est passé ces dernières heures. Alors que la police israélienne était en train d'intervenir sur un attentat terroriste, tous les regards sont attirés vers le ciel. Une véritable pluie de missiles est interceptée par le dôme de fer et retombe sur la ville. Les Américains avaient annoncé l'imminence d'une attaque d'ampleur de l'Iran sur Israël. Ce sont finalement près de 200 missiles qui ont été tirés sur le territoire israélien. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en paiera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à faire rendre des comptes à nos ennemis. Les engins tirés, ici diffusés à la télé iranienne, sont des missiles d'une portée de 2000 km. Mais cela n'effraie pas les autorités de l'État hébreu qui envisagent de riposter rapidement. Nous restons dans un état de préparation élevé, tant pour la défense que pour l'attaque, et nous protégerons les citoyens d'Israël. Cette attaque aura des conséquences. Nous avons des plans et nous agirons au moment et à l'endroit de notre choix. Les gardiens de la révolution iranienne promettent des attaques écrasantes si Israël venait à répliquer aux tirs de missiles. Vincent Hervouet, que vous connaissez, qui est notre spécialiste international, est-ce que d'abord cette attaque iranienne, ces attaques iraniennes sont terminées ? Sont ? Terminées. Ah, sûrement pas, puisqu'ils annoncent que les gardiens de la révolution ont annoncé cette nuit que s'il n'y avait jamais une réplique, une riposte israélienne, dans ces cas-là, ils attaqueraient toutes les cibles qu'ils pourraient, toutes les infrastructures. Parce que l'opération qui a été menée hier, d'après les Iraniens, ça s'appelle, c'est assez fascinant, ils ont donné à leur opération le titre de « Promesse honnête 2 ». Je crois que la promesse honnête 1, c'était la démonstration au mois d'avril. C'est la deuxième fois qu'ils attaquent Israël. La première fois, ils avaient prévenu 3 jours avant. Hier, ils ont prévenu par plusieurs canaux les Américains avant de tirer. Ce n'était pas totalement par surprise. Donc c'est la promesse honnête 2, pas une... Et là, le serment malhonnête, c'est de dire « la prochaine fois, ce sera pire ». Est-ce qu'ils sont capables de le faire ? C'est la première question. Ce n'est pas évident parce qu'ils ont plusieurs milliers de missiles balistiques, mais ils n'en ont pas tant que ça qui peuvent aller jusqu'à Israël. Parce que l'utilisation qu'ils ont faite hier de 200 missiles, dont des missiles hypersoniques, ils ont un peu épuisé, semble-t-il, hein, leur capacité. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que sur les 200 missiles qu'ils ont tirés, un certain nombre se sont écrasés de décollage, les autres ont été interceptés, finalement ils n'ont tué qu'un pauvre gars qui est un Palestinien d'ailleurs à Jéricho. Et donc ils prétendent avoir visé les bases, le quartier général du Mossad, les bases aériennes qui avaient été utilisées pour frapper le Hezbollah, mais en réalité c'est un fiasco sur le plan militaire. Je vous ai posé la question hier, je vais la reposer parce que les téléspectateurs qui nous écoutent ont sans doute en tête la guerre telle qu'elle se faisait jadis, avec un pays qui déclarait la guerre à un autre et qui entrait en guerre. Est-ce que vous diriez que l'Iran est entré en guerre avec Israël ? Oui, tout à fait. D'abord, ils n'ont jamais établi de relations diplomatiques, donc ils sont en guerre depuis toujours. Depuis la chute du Shah, hein, depuis plus de 40 ans, la République islamique, comme raison d'être et comme ennemi désigné, l'entité sioniste. Ils n'appellent même pas ça Israël. Et puis la guerre, elle a été déclenchée il y a un an. Le 7 octobre, c'est une véritable déclaration de guerre par les deux créatures de l'Iran, à la fois au sud avec les Palestiniens du Hamas et au nord avec les Libanais du Hezbollah. Et ces deux armées privées, ces deux organisations qui sont financées, formées, encadrées, soutenues par l'Iran et qui représentaient en quelque sorte la capacité de nuisance de l'Iran. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran, c'est 80 et quelques millions d'habitants face à 9 millions d'Israéliens. Mais les Israéliens, ils ont des capacités nucléaires, ils ont une force de frappe, ils ont le soutien des Américains. Ils sont plus forts militairement. Oui, ils sont plus forts militairement a priori. Sauf que les Iraniens avaient une sorte de force de dissuasion, une force de destruction massive, qui étaient les missiles du Hezbollah pointés sur Israël. Qui n'existent plus. Capables, 150 000, capables de saturer le dôme de fer,
donc d'épuiser en quelque sorte la défense antiaérienne israélienne, et donc de frapper toutes les villes, et de faire un carnage. Et ça, c'était une arme de ça n'existe massive. Plus. C'est le commandement général qui a été décapité. Donc, missiles, mais voilà. C'est 150 000 missiles. Oui, ben les Israéliens sont en train de les traiter. Ils sont en train de neutraliser les unes après les autres les caches et les arsenaux du Hezbollah après avoir décapité l'organisation et après avoir émasculé, neutralisé tout l'encadrement. Donc l'arme de destruction massive qu'avaient les Iraniens pour tenir tête à Israël, qui possède, elle, une vraie frappe, une force de frappe nucléaire. L'arme de destruction massive qu'avaient les Iraniens, ils en sont dépossédés. Et c'est un deuil terrible. Ça fait 40 ans qu'ils la construisaient, qu'ils la confortaient, qu'ils la... C'est fini. Et Shana Tova. Shana Tova. Exactement. Donc, on salue nos amis juifs français et les autres également qui vivent, notamment en Israël, et qui nous écoutent, et qui, depuis le 7 octobre, traversent une période aussi difficile. Donc on pense évidemment à eux. Bien sûr. Thomas Hill, je vous laisse jusqu'à 11h pour évidemment votre actualité culturelle. Je parlais de Olivier Rafovitz. Est-ce qu'on peut l'écouter? C'est le porte-parole de l'armée israélienne. Je demande à Marine Lançon, est-ce qu'il est possible de l'écouter, Marine? Écoutons-le. Il faut savoir que le Hezbollah voulait en fait préparer un autre 7 octobre à sa manière à lui, l'équivalent de 7 octobre perpétré par le Hamas, et envahir, je dis bien envahir, le nord d'Israël, ce qu'il appelle la Galilée. Et d'ailleurs, il y a à peu près une quinzaine de jours, un peu moins d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, on a éliminé le terroriste Ibrahim Akil, qui était un des responsables de l'attentat du Drakkar, où des parachutistes français avaient été tués. Et durant la frappe ciblée contre Ibrahim Akil à l'époque, il y a à peu près 12 jours, je crois. On a également éliminé 15 membres des unités Radouane. Et ces 16 personnes ensemble étaient en train de discuter, de préparer l'invasion de la Galilée par le Hezbollah. On marque une pause. On va revenir. On va recevoir Robert Bourgi entre 10h et 10h30. Vous resterez avec nous, cher Vincent Hervouet. Parce que vous connaissez bien la politique internationale et notamment la politique Centrafrique. Ce que dit M. Bourgi est saisissant, quoi. S'il dit vrai, c'est que Jacques Chirac prenait des mallettes, que sa campagne... Jacques Chirac n'est plus là pour le contredire. Que sa campagne électorale était payée par des mallettes qui arrivaient du Gabon. Mm-hmm. En crocodile, mm-hmm. avec le code Bongo. Oui, c'est Roland Dolphin. Pascal, c'était relativement soupçonné ou connu. Il n'y a pas que le monde arabe qui est... Il n'y a pas que dans le monde arabe qu'il y a des tapis volants. Il y a partout des contes et des mystères, un monde opaque. C'était joli. Bon, nous revenons dans une seconde pour évoquer l'actualité dramatique en Israël. À tout de suite.